Shorty, you won't talk. Shorty, you won't talk. Don't stop, bottle pop. Shorty, you won't talk. Shorty, you won't talk. Champagne dripping, but you gotta swallow. Rip it, drop, rip it, drop, rip it, drop, rip it, rip it, drop, rip it, drop, rip it, drop, rip it, drop. Champagne drippin', champagne drippin'. Yo, salut tout le monde. Bah écoutez, moi c'est Tony, DJ Mirage. DJ Vichyssois, Auvergnat, qui a la chance maintenant de voyager un petit peu, de bouger. Et voilà, on attaque tout de suite. Collectionneur depuis... pas collectionneur en fait. Le vrai truc c'est ça. Je suis pas un collectionneur, je suis un sneakerhead, ok. Mais je suis plus un kiffeur, tu vois, le vrai kiffeur de basket, de sneakers. Je vais pas aller chiner telle et telle paire, attendre que Nike Store ouvre ou swapper sur internet pour commander la dernière paire. Non, je m'en fous. J'achète la paire que je kiffe au moment où je la kiffe et voilà, tu vois, je suis pas du genre à aller chez Colette 3 jours avant pour pouvoir profiter de la Yeezy ou les trucs comme ça. Non, je l'ai fait étant gamin et je le referai plus, tu vois. Je sais pas, la mentalité a évolué et non, je suis juste un kiffeur, voilà, c'est ça le vrai terme. Ce qui m'amène à la vraie question du truc, depuis combien de temps? Je sais pas, sincèrement... Tu vois, je viens d'avoir 32 piges, pour ceux qui ne le savent pas déjà. Et j'ai kiffé les baskets depuis tout gamin, en fait. Je dirais pas forcément la maternelle, tu vois, mais depuis le primaire, je sais pas, peut-être que mes parents m'ont acheté une paire, tu vois, à chaque rentrée. J'avais les paires pour le foot, après les paires pour le basket. Donc j'ai commencé à en avoir, tu vois, 2 ou 3 étant petit, que je kiffais. Après, arrivé au collège, bah tu connais, faut toujours briller à chaque rentrée. Donc il y avait des petits, j'avais des collègues, des potes qui s'achetaient des fringues, qui s'achetaient je sais pas quoi. Moi j'achetais une paire de baskets à chaque nouvelle rentrée, tu vois, et j'ai des anecdotes avec ça assez ouf d'ailleurs. Donc on va dire, je sais pas, collectionneur et pas collectionneur, justement kiffeur de basket depuis une vingtaine d'années, tu vois. Depuis une vingtaine d'années. Et vraiment, bah, maintenant que je gagne ma vie, que je gagne bien ma vie, on va dire gros kiffeur depuis 5 ans. Voilà, parce que le budget me le permet, parce que la société me le permet aussi. On sait tous que c'est devenu quand même beaucoup plus facile de commander et de trouver les petits kiffs qu'on a tous. Donc voilà, on va dire une vingtaine d'années collectionneur de basket. En fait, j'ai déjà un peu répondu à cette question il y a 5 minutes, à la question précédente. Je pourrais pas donner une raison, tu vois, c'est le plaisir, c'est le confort, tu vois. J'ai jamais kiffé de mettre des chaussures de ville. Pour moi, c'est encore aujourd'hui, tu vois, un peu un, je dirais pas un supplice, mais même quand il y a des, tu vois, les mariages, les cérémonies, les trucs, les galas, ça me fait chier de mettre des chaussures de ville. Et puis je trouve que tu peux être tout aussi classieux et bien habillé avec une belle paire de sneakers qu'avec des Richelieu ou avec je sais pas quoi, tu vois. Donc le pourquoi, je sais pas, je pourrais pas vraiment le dire, tu vois. C'est un kiff perso, c'est comme je viens de dire, le confort, la forme, et puis après c'est la recherche. Je pense que le sport, même si ça se voit pas, on a fait un peu partie. Voilà, je bavais sur le basket quand j'étais gamin et encore aujourd'hui. Donc forcément, on le sait tous, toutes les paires de Jojo, les Barclays, les vieilles Converse, les trucs comme ça, là, forcément, ça a appuyé tout ça.
J'ai eu aussi la facilité, comme je l'ai dit, tu vois, précédemment, qu'à chaque rentrée, quand j'étais au collège, donc d'année en année, j'augmentais un peu la collecte, quand je ne les détruisais pas, en fait, sur une année, les baskets que je commandais, parce que, tout simplement, en fait, si tu veux, mes parents, enfin, ma mère plutôt, qui taffait, avait un très très bon CE, comité d'entreprise, et le CE de la boîte de ma mère, si tu veux, donnait à chaque gamin, je crois, l'équivalent de 700 balles en chèque, je sais pas quoi, tu vois, pour la rentrée, hein, donc en chèque cadeau. Et en fait, avec ces 700 balles, moi, j'achetais une nouvelle paire chaque année. Voilà, donc ça a contribué forcément au développement de la mini-collection du départ, et puis au développement du kiff, surtout, parce que 700 francs, à l'époque, bah, c'était quand même un budget que certains pouvaient pas se permettre. Et voilà, quoi, quand t'es gamin, jeune ado, tu vas pas acheter une paire à 700 francs. Voilà, donc ça m'a aidé pour ça, on va dire. Et ben, ça, c'est la bonne question, parce que j'ai arrêté de compter il y a un moment déjà. Je sais pas, je dois être à 120, peut-être 130, parce que j'en ai racheté là, récemment. Il y en a que j'ai pas encore reçu. On va dire, à vue d'œil, à vue de nez, à vue de carte bleue, 127, 128 paires. Pas toutes dans un bon état. Mais généralement, tu vois, je les conserve assez bien. Je suis un peu, je dirais pas maniaque, mais disons que le voilà, je vais marcher dans du sable ou va y avoir de la poussière ou les trucs, je vais les laver direct. Et vu que j'en ai beaucoup, bah forcément, elles s'usent beaucoup moins vite que d'autres. Voilà. Je vais te répondre la même chose. Je peux même pas te dire en fait. La première paire que j'ai achetée, pardon. On va faire la différence en fait entre la première paire dont je me souviens, tu vois, donc mes parents m'ont acheté à l'époque, et la première paire que moi j'ai acheté avec mon propre argent. Je me souviens d'une paire de Fila que mes parents m'avaient acheté, pareil, pour aller au bahut en primaire. J'ai aucune idée du modèle, vraiment aucune. Des mid, peut-être même des high, je sais même plus. Non, je crois que c'était mid. Blanche avec le signe F, c'est au-dessus de la cheville. Voilà, ça, c'est la première paire dont je me souviens. Et vraiment, le premier modèle garanti, tu vois, que je me souviens, c'était, je devais genre être en CM1 ou CM2. Et où vraiment, j'avais cassé la tête, tu vois, à mes parents pour l'avoir. Genre, tous les jours, je disais, vas-y, maman, je veux ça, papa, je veux ça. Et j'en suis désolé, chers parents, j'en suis désolé. C'était des pumps Reebok. Pareil, j'ai pas le modèle, mais les originales, là, les premières qu'ils aient sorties. Et la petite anecdote, c'est que ouais, c'était ça, hein, CM1, CM2, en fait, genre 90, 91, 92, je sais même plus, tu vois. C'était dû en fait au morceau Jump de Chris Cross, qui avait vraiment, si mes souvenirs sont bons, tu vois, explosé à cette époque-là. Et ils avaient des pumps dans le clip. Et tu vois, moi, amateur de hip-hop dès mon plus jeune âge, quand moi, mes potes gamins, ils écoutaient Dance Machine, Corona, Top DJ, et moi j'étais déjà dans NTM, IAM, le côté français, et dans les trucs Quinry. Merci à mon cousin Nico. Voilà, de m'avoir plongé là-dedans, amateur de hip-hop, donc forcément, bah voilà, Chris Cross arrive, moi j'étais comme un ouf. Et puis bah après, voilà, ça s'est enchaîné, hein, donc tu vois, je voyais les godasses dans les clips, ils faisaient les couvertures de quelques petits magazines. C'était pas aussi autant médiatisé que maintenant, mais voilà, j'avais vu le truc et j'avais kiffé, surkiffé, et puis le concept, tu vois, pour les gamins, c'était juste ouf. Et même maintenant, pour nous, les grands enfants qu'on est, ça reste toujours dingo. Donc voilà, bah, la première paire dont je me souviens vraiment, c'était ça. C'était les Reebok Pump, blanche, originale. Je te dis, j'ai pas la référence en tête. Voilà, première partie. Et c'est la première paire que moi, je me souviens d'avoir acheté avec mon propre bif. C'était ça, c'était en rentrée, je rentrais en 5e. Ou 4e, peut-être, je sais plus, tu vois. Et c'était les Nike More Uptempo que Pippen, donc Scottie Pippen, portait à l'époque. Voilà, le modèle Nike avec la grosse semelle en air et écrit R, noir et blanc, magnifique, que j'avais détruit en une année, parce que voilà, gamin, tu fais le sport avec, tu fais tout, le foot dans les rues, machin.
Et je m'étais fait un petit plaisir de les retrouver en mode olympique, blue, genre 6 ou 7 années plus tard. Voilà pour les premières paires et les premiers petits souvenirs de vrais sneakerhead que je suis. Il y en a trop, je sais pas. Ça dépend si on parle de sneaker basket ou de... Tu vois, je suis un gros kiffeur de Air Max 87 aussi. Je pourrais t'en donner des listes et des listes. Ça ferait des idées cadeaux, tu vois, pour ceux qui me connaissent. J'ai de la chance d'avoir pas mal de bonnes paires, de bonnes grosses paires, tu vois. Franchement, je sais pas, faudrait que je réfléchisse 5 minutes. Je suis en train de regarder la collecte. Non, il y aurait tout simplement, si on part du côté de Jojo, tu vois, chez Jordan, je serais plus, tu vois, les OG, c'est-à-dire celles qui sont sorties vraiment, celles d'époque. Tu vois, pas forcément les rééditions et pas toutes les nouvelles qu'ils font, là, tu vois, les mix, les fly, tout ça. Je kiffe pas celles-là, tu vois, toutes celles qui sont hors game, en fait, j'ai jamais accroché. C'est pas... Je sais pas pourquoi, tu vois, j'aime pas la coupe, j'aime pas le design, j'aime pas le concept. Pour moi, tu vois, avoir une paire de Jordan, c'est... Je veux une paire de Jordan de game, tu vois. Je veux des 1 ou 23 ou plus, enfin moins même d'ailleurs, on va pas refaire le débat, tu vois, mais voilà, pour moi, toutes les autres, elles servent à rien. Je dis pas qu'elles sont pas belles et que je hais les mecs qui kiffent, mais pour moi, c'est inutile. Et donc, des paires, bah, je sais pas, ouais, une paire de OG en one, des vieilles OG, bah, les 6. Tu vois, les 6 Fire Red ou les Varsity, ça serait un gros gros kiff de récupérer une paire d'époque. J'ai les deux, tu vois, mais en réédition. Je sais pas, ouais, une vieille paire de 87, les Safari, par exemple. Voilà, ça serait des paires que je kifferais avoir. Peut-être une Vuitton aussi, Vuitton Kanye West, là, les premières qu'ils avaient sorties ensemble. Parce que je les ai eues et je les ai revendues et c'était un petit kiff, tu vois. Donc peut-être qu'un jour, si jamais j'ai l'opportunité, peut-être que je rachèterai ça. Et voilà. Sinon, il n'y a pas. Tu vois, encore une fois, tu vois, je suis pas un chineur, donc je pourrais te faire une liste, mais j'ai pas un modèle précis en tête. J'ai pas un modèle précis en tête. Voilà. Canicule, pieds nus, tu vois, au bureau studio. Donc je dirais que la première paire qui me passe dans la tête, c'est une paire de Presto en mèche, tu vois, bien aérée, tranquille pour faire pantoufle. Je sais pas. Ouais, il y a cette petite paire là que j'apprécie tout particulièrement, on va dire. Voilà. Les 11. Ouais, ça c'est un vrai kiff parce que t'es trop bien, parce que tout, pour tout basketteur, c'est la meilleure paire de baskets qui a jamais été faite, on va dire. Et puis en plus, c'est joli, c'est mignon. Sinon, j'aime beaucoup. Ouais, il y a plein de paires de Jojo, mais on va pas trop étendre le sujet, tu vois. On va dire, ouais, pour l'été, Presto ou une petite paire de Roche, tu vois. J'ai acheté le pack Aloha, peut-être qu'on vous le montrera. Pour le plaisir des pieds et le confort, et puis après pour le style et les trucs où vraiment, tu vois, je me sens bien dedans, voilà, la Concorde, la Bread, Easy 2, j'aime beaucoup, tu vois, j'ai les deux paires, une bonne paire de 6, tu vois, en Varsity ou des paires de 7, voilà, c'est plus mon délire, tu vois, je suis plutôt sur des modèles hauts, en fait, en hors été, quand il fait trop trop chaud, sinon tu me verras toujours avec une paire de hautes, en short ou en jean, voilà, avec la languette sortie, et... voilà, c'est ça mon style. Merci Hypnotique, merci Créacom, merci Fly Kathleen, et puis longue vie aux sneakers.